Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui avec Wicharles. Aujourd'hui j'ai prévu, on va aller rentrer du bois, on va aller chercher le tracteur de Pierre-Marie à la ferme, on va le ramener sur place pour rentrer du bois qui a 2 ou 3 ans, il y a au moins 5 ou 6 terres à ramener. Voilà, et puis on est le 2 avril plutôt. Excusez-moi, le 2 avril, parce que c'est juste que je suis un peu fatigué ce matin, c'est compliqué. Du coup, voilà. Puis sur ce, je vous dis, mettez le pouce bleu, abonnement, et puis pour soutenir la vidéo, la chaîne. Puis c'est parti, hein, bonne vidéo, et puis bonne continuation. Allez, c'est parti. Je suis en train d'aller chercher du bois avec le tracteur, avec le massif Argueil 135. Ah, là c'est mouillé, c'est frais. Là voilà, je suis avec le petit frère. Puis il y a Wicharles et puis mon papy qui va arriver. Bon allez, on se reprend tout à l'heure.
on part aller chercher du bois. Voilà. Dans cette petite vidéo courte. Lui c'est Wichard, lui qui est tout à gauche, et là c'est mon papy. Il est retraité presque. Ça marche pas. Ouais, il marche pas. Il y a le frein qui fonctionne. Arrête là, il y a Monsieur Wichard qui est en train d'enlever la de la barrière. Le tas de bois qu'on va ramasser, c'est du frêne qui a 2 ans. Il y a au moins 5 terres, facile. Enfin, ouais, 5 terres et demi. Là, c'est la plus grosse prise qu'on a pris.
Allez, on part sur la quatrième. Et tu vois, ouais. J'ai mis la cam là parce que comme ça on peut raconter des conneries quand le tracteur est arrêté. Ah oui, c'est vrai. Ah, pour raconter, non, non. Toi, t'en raconte. On pouvait raconter toi, tu peux des en raconter, mais nous, non. Nous, on raconte pas. C'est non, pas notre genre. Pas. C'est pas notre genre. C'est pas notre habitude toujours. Bon, allez, papy Wichard. Et c'est pas rien. Notre habitude de raconter des conneries. Toi, attention. Oh là là. Ah, ben, ça descend. Bon, il y a une c'est moins haut. Bon, si ce con garde, il faut qu'on, ça. Qu'on le bloque en travers. Oh là 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 là. Ils font que des conneries, ceux-là. Okay. Et puis c'est mouillé. Ah oui, ce serait sec, ça glisserait. Ça... Non, faut qu'on bloque, faut qu'on en mette en travers. Parce que vous le chargez trop vers le haut, c'est pour ça que ça va s'écrouler. Non, puis c'est rond, ça a tendance à rouler, c'est un peu normal. Bon, on va en mettre dans l'autre sens. Mais de temps en temps, les pros, ils font comme ça. Nous, ah oui. On n'est pas des pros, nous. Des pros du pot. On t'a jamais dit de mettre une ceinture, tant pis. Ah, je t'emmerde. Ça, voilà, ça c'est trop. Ça c'est dit. Allez, après. Et l'autre insignifiant là, il est où là? J'en sais rien. Bon, je l'ai vendu. Ah putain! Fais gaffe à pas le baisser. Attends, faut que j'aille le voir avant que tu fasses des conneries. Je l'ai vendu pour une boîte de conserve. Est-ce qu'on pourrait raconter comme conneries? Attention! Mais prends des gants, merde! On ne prend pas des gants, tu lâches. Il y en a qui sont lourdes, hein. Ah bah oui, ils sont lourds. Bon, à fond, ça. On n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup à fond, mais il y en a d'autres là-bas. J'ai vu ça avec Pierre Marie, l'hiver prochain, si je pouvais le refaire, le baquet. Et il m'a dit qu'on verrait ça l'année prochaine. Ça demandera. Bah, il faudrait, comme je lui ai dit, il ne faut pas que tu le fasses ça avec un poste à l'arc, si tu ferais du mauvais boulot. Tu le fais avec un poste à mi-auto, là, impeccable. Il faudrait qu'il achète un petit poste à mi-auto, là, avec les bâtis, ça vaut pas si cher que ça. T'en as pour un, pour 200. T'as pas vu? Je sais pas où il est. Il est pas chez Vincent là-bas? Bon. Je ne peux pas travailler avec lui. Mais non, celui-là n'est pas gros. Ouais, il est pas gros. Bon. Ça, oui, bien ça pour la cheminée. Là, ça va. Non, mais gros comme ça, c'est bon pour la cheminée, mais quand c'est trop gros. Papy, il est toujours en train de râler. Il m'engueule toujours. Ça, c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Mais si c'est normal parce que tu le mérites. Ah putain. Comme on dit, chacun ses compétences. Hop là. Voilà, bientôt il y aura la prochaine vidéo. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Bon, je peux vous dire ce qu'il y aura. Il y aura de l'épareuse, ce que vous attendez toujours, avec le broyeur. Normalement, il est réparé la semaine prochaine, normalement. Et la semaine d'après, il y aura du fumier. Il y aura une vidéo pour vous. Bon. Il y aura l'épandage de fumier. Oh putain! Dans le jardin à Christophe. Ben là, vas-tu en sortir? Ah non, de Dieu, celui-là. Ah, mon Dieu. Qui que le voit là? Qui te dit? Tu le fous la paix au chien, il a le droit, il est chez lui. Donc t'étais où il charge? Bah, j'étais. Et tu sais où il était? Il était dans le jardin. À Christophe? À Vincent? À Armel, oui. Ah, Armel, c'est le porto. Je te le crois, une endroit là, l'autre. Bon, ça vient, soleil? Ça vient, ce bois. Ah, ouais. Ah, eh ben,
plus. Et voilà. Et ben voilà. Faut qu'il le reprenne. On va le reprendre. Il est bien roulé. Bon, moi, il me gêne pas. De temps en temps, faut en mettre en travers. Oui, mais c'est ce que je voulais. Bon, ça vient, soleil. Oh, 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 oh. Faut bloquer. Faut pas exciter les jeunes, hein, du cas, moi. On a le temps, on est pas pressé, hein. Plus si jeune que ça. Ah, ben, d'après qu'elle a été chez un gars. Enfin, parce que je fouine partout, d'ailleurs. Et même pas qu'il a été foutu là-bas. Putain, il est encore disparu. Il était dans une ferme. Et puis, elle a été voir. Elle a fait ça dans des fermes. À la Pierre Levaux, qui s'appelle. Puis il y retourne, et bien sûr, sans encore la personne, bien sûr. Et puis la bonne femme y a dit que. Ah ben, disons, t'as vieilli. Donc c'est plus un coup de vieille, c'est ce que je lui ai dit. Hein? Je lui ai dit qu'elle avait fait un coup de vieille. Ah, c'est toi qui as dit ça à la bonne femme? Oui. Ah, je crois que c'était la bonne femme qui t'avait dit que t'avais vieilli. Oui, bon, elle m'a répondu, t'es gonflé. Oui, il s'est parlé aux femmes, lui. Oui, t'as répondu, t'es gonflé. Elle t'avait dit, t'avais pas dit vieux. Oui, il y a deux ouvriers qui sont là-bas. Ah, ben, ça fait combien de temps qu'il n'y avait pas été? 9 ans. Mais oui, en 9 ans. Ah, ben oui, elle a pris un coup de vieux, et puis toi aussi. Ouais, en même temps, ouais. Bah, elle m'a répondu que. Mais qu'est-ce qu'il fout? Oh putain, il m'énerve. Il fait gueuler les chiens. Bon, allez, on va. Vas-y. Tu viens ce tantôt ou tu viens pas? Hop là. Ah, c'est lui qui. Il y a encore compris. C'est lui qui a dit à la même chose qu'il a pris. À la carte. Elle était toute jeune. Et elle est dessinée là-bas. Mais quand c'est qu'il y a été. Hein? Quand c'est qu'il y a été ces quatre femmes? Il y a quoi? Il y a peut-être un mois, deux mois? Je vais te le croire, non, on voit les rendez. Parce que attends, on est de l'autre côté de Saint-Mexin avant la crèche. Non. Bon allez. Bon sur ce les gars, nous on va aller sûrement boire l'apéro, l'apéritif. Et puis je vous reprends tout à l'heure pour la suite. Parce que là on va aller manger. Et puis je vous reprends vers 13h45. Et du coup voilà. Bon allez, bon appétit et à tout à l'heure. Planté depuis samedi matin, j'ai pas trop fait attention, alors parce qu'il m'était pêché, puis ce matin, j'ai pas trop fait attention. Comme je vous disais, on est reparti, là on est en train de. Là on va continuer à charger le bois. Voilà, on continue. Il fait beau, il faut en profiter. Alors, comme je vous disais ce matin, c'est toujours humide. Il y a le petit qui est derrière, dans la bétaillère. Assez frais, hein.
c'est la plus grosse prise qu'on a pris. Sur ce les gars, on va s'arrêter là. J'étais accompagné de Louis Charles, mais il est déjà devant. Alors, du coup voilà, parce qu'il m'escorte à chaque fois, parce que bon allez, c'est pas ça, mais, je vous dis, mettez le pouce bleu, abonnement, et n'hésitez pas à me parler dans les commentaires parce que je vous réponds. Du coup voilà, bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.